Dans le préjeu, et avec votre permission, parlons un peu des œuvres constituant cette première partie, bien que les notes que vous retrouvez dans votre programme soient finement rédigées. L'ouverture que vous venez d'entendre, d'Aïchun Galaté, que je traduis librement par la belle galette, s'inscrit dans la plus pure tradition des ouvertures d'opérette au style viennois, dont Jean Offenbach était un maître incontesté. Le compositeur Franz von Suppé, qui signifie probablement François bien soupé, n'avait pas le choix à l'époque de s'inspirer du style d'Offenbach, qui était alors un compositeur très en demande, s'il voulait que ses œuvres soient jouées. Pour ce qui est de la danse macabre, c'est une œuvre très connue, qui se passe presque de présentation. Les thèmes principaux sont inscrits dans l'inconscient collectif musical, et le fil de l'histoire est connu de tous. Si vous ne connaissez pas l'histoire de cette danse macabre, faites comme si, ne dites rien, sifflez doucement avec un air absent, en espérant secrètement que je la raconte. J'entends siffler au balcon. D'accord, par grandeur d'âme, je vous résume la chose. Dans un cimetière, après les 12 coups de minuit, la mort elle-même frappe du talon sur les tombes, les squelettes sont libérés, et s'ensuit une valse folle qui ne prendra fin qu'au chant du coq. Bref, la 1500 n'a pris aucune chance, le titre est vraiment évocateur et ne laisse aucune place à l'interprétation. C'est une danse, et elle est macabre. El bataillon de los zapatos rotos, le bataillon des soldats aux chaussures usées, est un passo doble. Cette danse espagnole, qui s'exécute en groupe et qui évoque le toréador, l'homme, et sa cape, sa partenaire. L'histoire ne dit pas cependant ce qui est le taureau dans tout ça. Ça reste une idée. Au sujet de cette danse, je vous offre une petite anecdote personnelle que mes musiciens connaissent déjà. J'étais moi-même en mes vertes années, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, un fameux danseur de passo doble. Je comprends pas ce rire. Je n'ai même pas terminé. Après avoir gagné tous les concours internationaux, grâce à ma figure inédite et jamais imitée, pendant laquelle je m'envolais au-dessus de ma partenaire, restais miraculeusement suspendu dans les airs et me redéposais sur la scène avec grâce et élégance. Mais j'ai finalement décidé de laisser la chance à d'autres. Thank you.
Thank you.